Je tiens à le préciser. En vrai, pour avoir testé le TGT et le TSXW, les deux, petit plus pour moi pour le TSXW niveau souplesse, mais le TGT sur GT Sport en tout cas est vraiment sympa. Bah, j'ai testé sur Dirt Rally 2.0 et sur Competition. Et en fait, bon, je vais pas dévoiler ce que je dis dans ma vidéo de demain, sinon c'est un peu dommage. Mais par rapport à un Fanatec par exemple, il est. Par rapport au Fanatec que moi j'avais, il est vraiment pas mal, pour le coup. Dans la même gamme, ouais. Oh, mais je me fais pousser, mais les gars, mais vous êtes sérieux? C'est moi, Strick, qui a fait le ménage. Terrible. Putain, moi, c'est ma chiasse. Mais attends. Mais non. Ah, les gars, vous abusez. Mais c'est qui était à l'intérieur? Three wide. Oh là 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 là. Ah, ça prend des mais fois. Mais putain! Mais j'ai rien. Oh là là là. Mais j'ai rien fait. C'est incroyable. Ça prend des fois 4. Non, Jeffrey, non. Ah, oh, l'intérieur. Ça va suggérer. Oh merde, je vais faire tacler. Merde, mais non. Mais on m'envoie dans le gravier. Est-ce qu'on y croit à ça? Putain. Ah, oh, putain. Alors que la direction de course vient de se pendre. Elle avance pas, cette putain de Porsche. Je suis largué par une RS01. Is that a BOP? Putain. Plaît-il? Oh, Wastrick, il freine deux roues dans l'herbe, il s'en bat les couilles totalement. Hop là, voilà. Allez, c'est le moment, la remontada, comme mais on dit. Mais j'ai zéro vitesse avec la Porsche. Oh là là, oh là là, oh là là. On est arrêté. Hello à everybody. On est arrêté à Dingledale, voilà. C'est violent quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh yo 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 yo. Oh non, mais ils sont pas sérieux, c'est. Putain, mais j'ai zéro VMAX avec la Porsche. Bah alors, je sais pas, peut-être que t'as un problème de capteur de potentiomètre sur ton pédalier. Non, car c'est un Thrustmaster. Et les pédaliers Thrustmaster n'ont jamais de problème de potentiomètre. Non, bien sûr, absolument. C'est connu. Parle-en à Franck Onen d'ailleurs. C'est n'importe quoi. Eh ben, qu'est-ce que je peux dire à part... eh ben, qu'est-ce que c'est que cette bouse? Ouais, lui, il a pas été rappeleur deuxième semaine, lui. Hein. Bizarrement. En deuxième semaine 2. Non, mais il n'a pas été rappelé, je veux dire. Ah oui, oui, oui. Après bah, cela. Non, c'est sûr. Non, mais Franck Onen, d'ailleurs, qu'on salue, à qui j'envoie bien des belles salutations, très très sympa, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la Sim Expo et de discuter un peu avec lui. Très très sympa. Jamais la langue dans sa poche. Toujours à être franc, comme un peu comme Niki Loda, si tu préfères. Mmh. Et très très sympa. Il sera flatté de la comparaison. Oh bah, tu sais. Non mais sérieux, sans vouloir être méchant, je pense que Niki Loda avait un peu moins de cheveux. Voilà. On fera Astropo là encore. On fera Astropo. Mais très 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 sympa, ouais, Franck Onen. J'aimerais bien le... Oh, ça s'est mis dedans, incroyable. Ça passe pour la deuxième position derrière Rabouchou. C'est vrai que... Alors, c'est un truc qui m'a toujours fait chier depuis que je commente. C'est les pseudos. Parce que commenter un Jean-Michel Dupuy, ça va. Mais commenter un ramé creusé. Oh, et ma chiasse qui fait l'extérieur! Ça, c'est un peu. Commenter ma chiasse, c'est sûr que c'est pas ouf. Ouais. Voilà quoi, c'est. Eh oui. Ça a son charme, diront certains. Oui, c'est ça. Ça a son le bad. Le challenge n'en est que plus beau. Oh oui, bien. Belle inscription dans le virage avec un petit survirage. Ça, c'est quoi tout ce sable dans l'épingle du druide là? On dirait qu'il y a. Obé! Obé! Putain, on dirait qu'il y a eu trois moteurs qui ont coulé quoi. Un peu là. Encore une fois. En vrai, sympa hein, la version GP de Brandzatch. Non, elle est plutôt bien faite. Un bon circuit à l'ancienne, bien sympatoche. Où l'erreur se paye cash. Putain, je me fais déposer par une RS01. Bah alors? Ah, non, bah alors, mais... qu'est-ce qu'ils foutent chez Porsche? Stuttgart, ya. Ah bah ils font de l'électrique hein. Ouf, de la ça Porsche hybride. La Panamera hybride, terribles images. Terrible son surtout. Ah parce que tu hier je suis tombé sur un live de Nicky Team. Oh, qu'est-ce que j'ai rigolé. Le dieu. Mais qu'est-ce qu'il est fou ce garçon. Il est génial. Oh, il est complètement taré. Hein. Le mec il est sous coke en permanence, c'est pas possible autrement. Monster, il est là d'un coup, coke et non, plante. Il est fou, il est là, il fait... Voilà. Ah. Et puis surtout, il parle 5 langues en même temps, quoi. C'est ça. Si tu fais pas anglais, espagnol, danois, français. Non, mais grave, et puis il fait God damn it! Ouf! Medic! Oh, la grosse bataille! Medic!
Hier, il était sur Silverstone, il fait « It's Le Mans, guys, it's Le Mans. There's no question, it's Le Mans, guys. » Non, mais IRL, il est comme ça aussi, c'est un truc de malade. Oui. Alors, pour la petite histoire, avec Richard Arnaud et les gars de chez Racing Media... Oh, il m'a mis dehors, j'ai freiné dans l'air. D'accord. Pas très sympa, Atana, pas très sympa de me serrer comme ça. Oh, Westrick avec la RS01, terrible. La bombinette. La bombinette, la bombinette de France. Ah, Westrick qui a mis le clignot à droite pour me laisser passer. C'est gentil. Ah oui, donc je disais effectivement qu'aux 24 heures de Spa, nous avons rencontré monsieur Mathieu Vaxivière, qui faisait équipe avec notamment monsieur Niki Team, et nous nous sommes retrouvés dans leur motorhom, enfin même dans leur caravane, si je puis dire. Oh putain, ça devait sentir bon. Je peux vous dire que c'était avant le départ, donc c'était déjà pas mal, mais j'aurais pas voulu savoir ce qui s'était passé pendant la course. Mais en tout cas, oui, le Niki Team, toujours... c'est sympa, le fair play. Merci beaucoup, Atana. Merci beaucoup. Incroyable, la bataille qui peut reprendre de plus belle avec la Mercedes. Que la firme plus de... jamais. C'est la firme de quoi, déjà, Mercedes? Cologne. C'est Cologne. Alors, fais gaffe à ce que tu vas dire. Comment ça, c'est Cologne? J'y mettrai Cologne, moi. Oh, je suis pas sûr, hein. On va se faire insulter dans le chat. Ah, mais c'est clair. Bah alors, comme ça, vous êtes YouTuber F1 et vous connaissez rien Oh, tu fais bien, putain, quand il s'appelle, le petit qui raconte tout le temps sur l'histoire. Laurent Deutsch. Oh, le bâtard, Laurent Deutsch. Savez-vous que Porsche a créé en 1954 la coccinelle. Oh là là. Attention, il y a un petit groupe qui s'est reformé derrière moi, terrible, je vais me faire allumer. Pardon, mais what, BOP? Ouais, bah ça va, la BOP, t'en plains pas, hein, parce que... J'étais P3, oh là là, P4, je suis P7 large. Et je bourre comme un sagouin, donc... C'est que là, depuis tout à l'heure, je me bats dans le bac à gravier avec un mec, là, depuis tout à l'heure, on se... Bah alors, il fait des châteaux de sable. À la tête, on fait que ça. Et Ardoin, là, il y retourne. Ah, je suis large. Oh, motherfucker. Oh, c'est parti. Ah, t'as un ailleurs course, terrible. Et drapeau jaune du côté de Dingledale, est-ce que c'est sorti? Effectivement. De là, ne nous regarde pas. Et tout à fait. De bien tristes images. Machias qui a donc des problèmes intestinaux, mais je me suis laissé dire qu'il avait aussi des problèmes sexuels. Il aurait coulé autre chose qu'une bielle, mais cela ne nous regarde pas. Regarde pas. Oh là là. Non, c'est pour rigoler, évidemment. Oh, si vous n'avez pas reconnu le sketch des inconnus. Drapeau bleu. Vous êtes jeune et ça nous fait mal, si c'est le cas. Oui, c'est ça, exactement. On a bientôt 30 piges, et voilà. C'est vrai que vous êtes vieux en vrai. Hein. Alors toi, frérot. Oh, oh voilà, à ton âge. Est-ce que le premier je le mets dehors ou pas? On a frérot, mais comment je. Non. T'étais bien content d'avoir les vieux, hein, quand on s'est vu. Un grand savoir ce qu'il fallait faire. Ouais. C'était bien pour moi. Mais je suis paumé, je comprends pas ce qui se passe. Je dois donner ma carte d'identité pour boire de l'alcool ou ça se passe comment? Alors écoute, la carte d'identité. Non, mais par contre, la carte bancaire, ça on était pas sûr. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est sûr qu'on était pas. Oh la vache, la note comme ça. On se régale. Au frais de la princesse. Pendant que d'autres dormaient du sommeil du juste. Ah bah ça. Obligatoire. Putain. Ah non, non. Oh, c'est l'herbe. Ah oui, contre. Magnifiquement. Ça c'est la technique franconaine. La technique. Alors que ça parle de l'âge dans les commentaires. 17, 14, 18, 13. Allez, tout le monde donne son âge, c'est parti. On n'avait pas demandé en fait. Hein. Ouais, bah ça les gêne pas. Bah écoute, là, il doit pas être bien derrière. Alors. Merde! Oh, j'ai oublié de freiner. Ah, j'ai peut-être pas activé la BOP, ce qui explique les différences d'une RS01 qui poutre une Porsche. Bon, bah FDP alors. Oui, je valide. Incroyable. Incroyable. Et voilà, les chiffres du loto dans le chat si vous voulez. Putain. Gigasp. Non, mais je. 66 ans. 66 ans, frérot. Monsieur Quesada, calmez-vous. Oh, freinage dans l'herbe, putain. Arrête de freiner dans l'herbe, Despiello. What the machine. C'est que je suis vraiment tout seul depuis tout à l'heure, là. Je me fais vraiment chier. Bah alors, Hydro. Ah ouais, par contre, l'aspi, effectivement, elle est réglée en mode abusé, quoi. Ah bah oui, elle est forte, c'est le cas de dire, là. Vas-y, je vais l'attendre, c'est qui les deuxièmes, troisièmes? Ou Astrik et tout, je... Oh.
Oh, magnifique bataille avec la Mustang. Oh, je peux pas recroiser, terrible. Elle est stylée, la livrée de la Mustang. Oh non, pas lui. C'est sympatoche, effectivement. De loin, on pourrait croire à une livrée de Ken Block. Ou de Pog. Ou de Pog, au choix. Pog qui habite à 5 minutes de chez moi, LDR. Ah, il est belge ? Ah non, non, il est français, expatrié en Belgique. Voilà. Pour certaines raisons que nous n'évoquerons pas, cela ne nous regarde on pas. On va se fâcher avec tout le monde en une fois. Ah, mais no joke, je le croise de temps en temps, et c'est vrai que les bagnoles en vrai sont peut-être même plus impressionnantes qu'en vidéo, au niveau des effets des livrées. J'espère bien qu'elles sont plus impressionnantes en vrai qu'en vidéo, parce que sinon, ce serait dommage. Au niveau des wraps. Oh, le 11ème. Et la vue Mustang qui overshoot le freinage, incroyable, le décollage. Ah, Guillaume qui. Oh, on se touche en or. Oh non, j'attends la Mustang, allez-vous. Je t'attends, frérot. Je t'attends, je suis désolé. Drapeau bleu, il va se faire enculer le deuxième. Ah, t'es sûr que t'as regardé la vidéo de Fairplay Non, j'étais sur Montel. Non, parce que. Ça veut dire beaucoup de choses. Dans le plus grand des calmes, tu sais, genre. Que, Charlie Waiting. Non, j'étais sur Montel. Ah bon, très bien, bah merci. Et vous avez écrasé la vieille quand même. Ouais, mais j'avais SMS, grand. Ah, frérot. Non bon, allez, frérot, il y avait Twitter qui m'appelait. Qui m'appelait, tu sais. Non, il y en avait un qui se crée un compte Discord parce qu'on pouvait pas se parler justement. Ouf. Et je lâcherai pas de blaze. Ouf. Non, mais j'avais un compte Discord. Ouais, mais. Tu l'avais désactivé, t'as fait quoi d'ailleurs? Non, mais j'avais un compte Discord, je pensais que tu disais un channel Discord. Non, quand tu disais passe ton Discord, je pensais que tu voulais un channel pour qu'on se retrouve dessus en fait. Mais tu l'as fermé d'ailleurs ton serveur. Tu l'as fermé. Je l'ai pas fermé, je l'ai oublié, je sais même plus où est l'adresse. Ah, tu sais que j'ai plus, c'est le dernier dessus. Tour, ça va jouer sur la ligne entre la Mustang. J'étais dessus avant et genre je le retrouve plus hein. Non. Je crois que d'inactivité il est mort. Fermé, ouais, je pense. Ah. Bien joué à Breeze. C'était une belle bataille. Ouh. Ah bah alors pour ton information mon cher Maxou, c'est une Porsche qui a gagné. Putain mais. Peut-être avec des setups peut-être. Ah, c'est top de quoi? Mais pardon.